Alors, mon objectif, c'est de vous présenter, bon, déjà je précise, je suis pas ostéopathe, hein, mais simplement de donner à ceux qui touchent les corps, que ce soit en ostéopathie, en massage ou en énergétique, un certain nombre de lieux du corps physique. Ça déborde largement le cadre des étoiles et des portes, qui sont en fait des nœuds bien plus vastes, si je peux dire, que simplement le lien entre l'énergie vitale et l'énergie vibrale, puisque ce sont les lieux d'impact de tout ce qu'on a fait dans le mois de mai encore jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de manger, si on peut dire, ou en tout cas de résoudre les archétypes. Il n'y a rien de plus fort au niveau archétypiel, bien sûr, que l'os. Hein. L'os, c'est bien évidemment l'organe qui est le plus pérenne, même après la mort. Et c'est à ce niveau-là que se trouve un certain nombre de matrices. D'ailleurs, bon, ce qu'on appelle l'os classique est un cristal. Hein. C'est une structure trabéculaire qui a la particularité de vibrer. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs les ostéopathes à travers le SCR. Mais on peut l'utiliser aussi bien par l'énergie, par la pensée, que par le massage. Donc, on va d'abord définir, si vous voulez bien, ces lieux du corps. Hein. Alors, soit ce sont des os très précis, soit ce sont effectivement des lignes. Donc, on n'est plus sur des chakras ou on n'est plus sur des interfaces entre la structure vibrale et la structure du corps physique, éthérique, comme avec les portes et les étoiles. Là, on se situe sur des structures qui sont inscrites sur un trajet au niveau du corps. Et c'est le massage, l'énergie, l'ostéo qui va être fait sur deux points, entre deux points ou trois points selon les cas, qui va permettre de faire passer l'ensemble de la conscience et donc l'ensemble de la structure physico-éthérique restante sous l'influence directe de la matrice christique. Là, les premières choses à retenir qui sont affreusement simples, que tout le monde connaît, c'est que l'homme est une tripartition et que tous les segments de son corps sont subdivisés en trois parties. C'est la constitution à la fois du corps d'éternité, mais aussi la précipitation de ce corps d'éternité au niveau d'une forme donnée qu'on appelle la forme humaine. Cette forme humaine, elle est archétypienne, puisqu'on la retrouve dans tous les règnes dimensionnels, même si on a des oiseaux, des aigles et tout. La forme initiale de base qui a servi à la matérialisation de la conscience est le corps physique. Et non pas un corps qui est situé dans les triangles ou être. C'est-à-dire qu'en fait, on est ici sur Terre la précipitation du principe de manifestation de la vie qui s'incarne dans notre corps, non pas au niveau du cerveau, mais au niveau des os. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce que le lien, il se fait bien évidemment sur les chakras, sur les portes, sur les étoiles, mais il y a une structure qui est à la fois le lieu du dépôt de la loi, l'os, qui est lié au rein, en médecine chinoise, mais qui est aussi lié très puissamment à ce monde des archétypes qu'on a passé notre temps à démolir durant le mois de mai et juin, qui en fait n'est que le reflet, et d'ailleurs ça porte bien son nom, j'ai parlé toute ma vie de l'imaginaire qui n'a aucune action sur le réel, et après j'ai parlé longuement de ce qu'on appelle l'imaginal. Cet imaginal est que le reflet de Hal, c'est pas Hal. Donc l'imaginal, monde des archétypes, ne nous renvoie pas à la lumière, mais nous renvoie à la précipitation par un effet miroir. Cet effet miroir, bien sûr, il est omniprésent sur la Terre, puisqu'on est, on est qu'un hologramme d'une seule conscience qui s'est multipliée à l'infini et à l'indéfini. Retrouver donc l'origine et le premier miroir, ce qu'on a illustré à travers la saga de Métatron, d'Abba et de tout ce qu'on a vécu les uns et les autres à différents niveaux. Maintenant, on n'a plus besoin de tous ces miroirs. Il va falloir simplement, ça se fait tout seul, mais bien évidemment l'intérêt pour les ostéopathes, les masseurs, les énergéticiens, c'est que ça va permettre d'accélérer, quand je dis accélérer, c'est quasiment instantané, à la fois la réparation du corps physique pour les ostéopathes, masseurs, énergéticiens, mais surtout et avant tout, de pouvoir connecter au-delà de l'âme l'esprit de la structure la plus matérialisée qui est l'os. Alors bon, je ne vous apprendrai rien, vous avez des os qui ont des noms très très particuliers. On va les voir d'ailleurs pour certains au cours de cet exposé qui va nous permettre de relier l'arché, l'archétype, l'imaginal qui est uniquement
l'image en miroir de Hall, mais qu'il faut retourner là aussi, et c'est exactement ce qui va être possible, non pas sur les portes ou les étoiles, mais uniquement entre deux points distants. C'est exactement ce qu'on a fait avec la syntonie, à un niveau global, où progressivement, on passe sur une syntonie où le 3 en 1 à l'échelon du corps se résume à la tripartition tête, poitrine, ventre. C'est la première tripartition de l'être humain, chaque étage étant en rapport avec un plan du Père, du Fils ou de la Mère, ou du Saint-Esprit si vous êtes maso. Si vous n'êtes pas masochiste, mais misogyne, pardon. Maso aussi, parce que ça fait très mal. Hein? Donc, on peut, à travers cette compréhension et ce vécu, parce que bien évidemment, il a fallu le vivre avant pour le comprendre, ayant les connaissances dans ma tête qui sont encore présentes, ça va être extrêmement facile, que ce soit par des massages de l'énergie, des cristaux, de l'acupuncture, la main, la pensée, de relier l'archétype au corps et de franchir l'archétype pour être vraiment dans Hall, c'est-à-dire dans le feu de l'esprit, et non plus dans les images du feu de l'esprit. La dernière image du feu de l'esprit, vous l'avez compris, c'est ce que Sorel avait appelé et qu'on appelle la ceinture de Van Allen, qui est bien plus loin que la ionosphère, et où personne n'a pu aller pour l'instant. Hein, je précise, j'ai essayé d'y monter, il n'y avait pas suffisamment de force de feu par rapport à tous les éveillés pour aller retourner cette couche de l'imaginal et la rendre au feu, hein, puisque c'est la dernière illusion suprême des archontes, de nous faire croire que les archétypes et tous les dieux que j'ai appelés les hideux sont ceux qui vont nous donner la vérité. Or, ils ne donnent aucune vérité, ils nous reprécipitent dans l'illusion, mais on ne peut pas la voir. Il n'y a qu'en parcourant ces archétypes, maintenant ça a été fait, il en reste quelques-uns, hein, mais ça ne sert à rien de s'en occuper. Le travail va se passer sur l'os, au niveau des individus. Bien évidemment, les thérapeutes, les ostéopathes, les masseurs deviennent des relais essentiels, mais aussi ceux qui connaissent rien à ça. À partir du moment où on donne les points de repère, les points clés qui sont situés au niveau du corps, qu'on relie ces points 2 à 2 ou 3 à 3, non seulement on va avoir une efficacité immédiate au niveau purement ostéopathique, thérapeutique, mais par le massage ou par toute autre technique, la conscientisation de ces points et la compréhension par le vécu de ces points, avant d'atterrir à l'imaginal, va permettre de lever non plus l'anomalie primaire, mais je dirais le dernier piège qui se situe au niveau des archétypes. Hein, puisque tous les dieux dans toutes les traditions sont exactement les mêmes, mais ne sont que des travestissements, c'est-à-dire ce que j'ai appelé des costumes, qu'on a empruntés les uns et les autres, afin de liquider, si je peux dire, tout ce qui est lié à ce monde des archétypes qui nous bloque au niveau de la ceinture de Van Allen et qui nous bloque à la couche externe du corps causal, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait détruire le corps causal, on va se retrouver dans une autre illusion qui est l'âme collective du monde, ce qu'on appelle le plan bouddhique, qui n'est pas plus réel que le plan spirituel d'ailleurs ou atmique, puisqu'au-dessus il y a le parabrahman, mais c'est l'ultime piège qui a été collée au niveau du corps causal, ce qui fait que tous les êtres qui ont libéré le corps causal par la brûlure du corps causal se sont retrouvés, ceux qui devaient le faire se sont retrouvés à embrasser, je dirais, les costumes des différents dieux afin de permettre la libération de ces engrammes qui sont, je vous le rappelle, à la périphérie du corps causal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a travaillé, bon là j'ai achevé il y a deux jours le travail sur la magnétosphère, qui s'est très bien passé, d'ailleurs vous avez vu les conséquences sur tout le monde et aussi sur la planète. Là maintenant il reste la structure qui est une structure polycristalline avec un jeu de miroir à l'infini qui nous renvoie systématiquement quoi qu'on vive et quoi qu'on pense vivre à cette ultime représentation. Vous savez que la lumière, l'amour, le parabrahman, tout ça, il n'y a pas de forme. Or, ce qui est situé au niveau de la périphérie de l'aura causale va entraîner, et va essayer d'entraîner en tout cas, mais là c'est plus possible, puisqu'on a vécu l'esprit, et quand on est dans ces archétypes, bien évidemment, on les dissout. Mais brûler les archétypes n'a pas fait disparaître la structure de Van Allen. On a réussi à faire disparaître la ionosphère, la magnétosphère, l'héliosphère, enfin les faire disparaître, c'est-à-dire les rendre totalement perméables et fissurées, mais la ceinture de Van Allen, on en prend conscience maintenant à travers tous les costumes que ceux qui empruntaient les différents dieux ont fait. Donc, ce qu'on va réaliser cette fois-ci, à la fois
sur la ceinture de Van Allen après le 14, c'est-à-dire dès le 15 à minuit 1, on a la possibilité, parce qu'on a réuni les cinq éléments, pour ceux qui voyagent en conscience nue, de se rendre sur la ceinture de Van Allen et de libérer totalement l'espace. C'est ce qui va être fait, j'espère le plus vite possible. Mais en tout cas, le relais va être pris sur le plan danse par tous ceux qui utilisent leurs mains, qui font d'une façon ou d'une autre, un acte thérapeutique. D'ailleurs, tous ceux qui ont utilisé la syntonie telle qu'elle avait été donnée il y a 2 mois, ont tous constaté, quelles que soient les techniques utilisées, que ça balayait, même ceux qui faisaient du Reiki avec des trucs soi-disant les plus élevés, Ushui, Shambhala et autres, ont tous arrêté le Reiki. Parce que bien évidemment, dès qu'on pratique la syntonie, on s'aperçoit qu'on touche un autre monde, qu'on n'est plus dans le monde des symboles d'ailleurs du Reiki, qui est un enseignement luciférien, même si on l'a tous utilisé, mais qui nous limitait par les archétypes. Et on se nourrissait tous de ces archétypes en disant c'est la vérité. Il n'y a aucune vérité dans les archétypes. Tant qu'il y a une forme, il ne peut pas y avoir de vérité totale, vécue, intégrée, incarnée et manifestée. Or, vous le savez tous, on doit manifester et incarner ça sur Terre. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en des années, ni en des semaines, c'est quelque chose qui va se faire, je ne sais pas, en quelques heures, en quelques jours, puisqu'on va avoir les deux relais, ceux qui se baladent en conscience nue, qui vont commencer à fracturer cette dernière couche des archétypes, et ceux qui, sur la Terre, qui sont même 1, 2, 10, 100, peu importe, la syntonie, vous avez été très nombreux à l'expérimenter et en vivre les effets. Là, maintenant, ça va être encore plus simple. Dès que je vais vous donner ces clés au niveau corporel, il va vous suffire d'utiliser vos moyens habituels, la main, l'ostéopathe, le masseur, l'énergie, les cristaux, la cuisse, ce que vous voulez, tout en sachant qu'il existe aussi, j'irai pas jusque-là, mais il existe des correspondances entre certains remèdes homéopathiques et effectivement ces trajets. Hein. Alors, d'abord, je vais vous définir très brièvement, quelles sont ces eaux et ces trajets qui sont majeurs dans le travail que l'on va faire, que vous pourrez faire. Alors, bien sûr, on peut partir d'en haut, on peut partir d'en bas. Ce que je propose, comme on est dans un rembobinage de film, c'est de partir du point le plus bas. Vous savez que le point le plus bas, les pieds, bien évidemment. D'ailleurs, dans la syntonie, on utilisait les pieds. Dans la nouvelle syntonie, on n'a plus besoin d'utiliser les piliers des jambes puisqu'on est directement en alchimie au niveau du tronc. Ici, on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va remonter la conscience. Ce n'est même plus de l'énergie, c'est de l'information pure, même si les ostéopathes vont sentir le liquide qui circule, les énergéticiens vont sentir de l'énergie, mais ce n'est plus de l'énergie. On est vraiment dans l'information la plus pure, c'est-à-dire là où il y a le moins besoin de consommer de l'énergie, parce que consommer de l'énergie, ça fait appel à l'énergie, ça fait appel à la dualité, et ça fait appel, même si on est branché au plus haut, au monde des archétypes. Si on veut franchir le monde des archétypes, ils sont inscrits en nous, bien évidemment. Là, je vous propose de travailler sur ces archétypes avec les mains, avec l'énergie, entre guillemets, mais on aurait tout aussi bien pu travailler avec des arcanes de tarot. Par exemple, si vous mettez le pendu sur le lieu du retournement, qui est la porte haute, c'est-à-dire la pointe du sternum, vous allez vivre le retournement. Même si vous êtes dans le noir complet, votre corps a cette mémoire de la forme, de la couleur et du symbole. C'est pour ça qu'il y a 22 arcanes du tarot. Chaque arcane va correspondre à une partie du corps, et quand c'est appliqué sur le corps, ça aura exactement le même effet que ce que je vais vous dire. Sur les lieux du corps. Donc, vous voyez qu'ici, on est largement au-dessus des archétypes, parce que ça va nous renvoyer directement, maintenant, à la ceinture de Van Allen, et au niveau de la ceinture de Van Allen, puisqu'il y a de moins en moins de dieux, quand vous allez vivre cela, et quand vous allez le faire, vous allez impliquer d'emblée dans l'individu l'accès au temps zéro, c'est-à-dire au champ informationnel ultime à causal de la physique, là où il n'y a plus d'énergie, mais où est toute l'information et qui est stockée, bien sûr, non pas dans un disque dur, dans un livre ou dans un programme, mais dans l'intelligence créatrice première qu'on appelle binar, c'est-à-dire cette fameuse lumière noire que les gens qui touchent l'absolu vivent, mais où jusqu'à présent, tous ceux qui ont vécu l'absolu, même ceux qui s'y sont maintenus, parce que pour eux, c'était évident, ne pouvaient pas faire le lien entre ce rien et le tout. C'est ce qu'on fait depuis 2 mois. Il reste maintenant cette dernière couche isolante que vous allez rompre. Alors je m'adresse aussi bien à ceux qui se baladent en conscience nue qu'à ceux qui vont utiliser leurs mains
pour réaliser cela à l'échelon individuel. Mais l'échelon individuel est relié, bien évidemment, vous le savez, on est les uns dans les autres, par le cœur et par la tête. Donc ça veut dire qu'il n'y a même plus besoin de sentir l'énergie, rien. Dès que vous faites quelque chose au plus petit ici, ça va se répercuter immédiatement avec un effet démultiplié sur l'ensemble de l'humanité. Non pas en passant individu par individu ou groupe par groupe, comme on le fait actuellement et qui était la seule façon de procéder, mais vous allez maintenant directement franchir le monde des archétypes. Et dès que vous allez faire ce que je vais vous dire là sur une personne, vous allez être en résonance avec la totalité de l'humanité, directement par la matrice christique, en chantant le monde des archétypes. Donc il n'y aura plus besoin, quand, je ne sais pas, ce soir, demain, dans une semaine, j'en ai aucune idée. Hein. Je ne connais rien du temps, mais je sais comment il s'agence pour arriver là où on doit arriver. C'est exactement ce qui se passe, que vous vivez tous, pour ceux qui sortent en conscience nue, depuis le mois de mai, même pour certains en avril, ou d'autres qui ont vécu ça il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens, mais au-delà du sens, ça prend son efficacité totale. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la preuve, indépendamment des moments où on est réunis en alignement, en brasier, en syntonie, que dès qu'il y en a un qui touche quelqu'un ou qui regarde quelqu'un avec ce regard, qui est le regard qui vient de bien plus loin que tous les archétypes et toutes les images qu'on peut avoir, vous allez d'emblée réaliser ça sur tout le monde. Alors, on va simplifier, on va aller sur les circuits les plus importants. Tout d'abord, au niveau des pieds, là, on n'est plus sur la plante du pied, on est au niveau, bien sûr, d'un os qui va régir tout l'équilibre du squelette, c'est-à-dire l'astragale. Cet astragale, bien sûr, a un nom très particulier. Il se trouve qu'en acupuncture, nous avons deux points qui permettent de rééquilibrer les astragales. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de rééquilibrer l'astragale, c'est de mettre en contact l'astragale où se situe la porte de l'enfance. C'est le moment où on se construit, où on se met debout et on marche. Et faire passer cet astragale, l'information de l'astragale, jusqu'au niveau de la porte des hanches, c'est-à-dire les ailes iliaques. C'est entre les ailes iliaques et la tête du tronc antère, je vais vous le montrer après. Mais là, on est dans le symbolisme des ailes. Le sacrum, c'est l'os sacré. Les ailes iliaques et les crêtes iliaques, c'est l'inversion de la coupe du Christ. C'est-à-dire accueillir la fécondité toujours dans un sens descendant, par le biais, bien sûr, de la matrice, qui est l'utérus, hein, ce qui est donc le viol du féminin sacré, l'amenant à créer dans la matière plutôt que de créer en l'esprit. Ce qui veut dire par là que la porte de l'enfance, qui est située sur deux points d'acupuncture, qu'on appelle le 62 vessie et le 6 rein, qui sont symétriques en dessous de la malléole interne, juste au-dessous de l'astragale, je vais vous le montrer sur un pied, et quand vous allez toucher en même temps avec une main, là c'est trois points, vous prenez entre le pouce et l'index, sans vouloir changer quoi que ce soit, on va le montrer ici, vous prenez à gauche, ensuite à droite, ou l'inverse, ça n'a aucune importance, vous allez ramener l'information de l'astragale au niveau de la porte des hanches. Comment ça va se faire? C'est très simple, vous avez deux doigts, vous allez en tenir votre, en dessous l'astragale, sur ces deux points d'acupuncture, le pied. Une fois un pied ici, je vais vous montrer. Voilà donc un pied. Voilà donc un pied qui est fait. Donc vous avez ici la malléole interne, la malléole externe de la côté. Quand vous descendez deux travers de doigts sur la malléole interne, attendez, je baisse un peu l'écran, voilà. Quand vous descendez deux doigts sous la pointe de la malléole interne, vous tombez dans un creux qui se sent, qui est là, hein, qui commande quand vous le couplez avec l'autre côté. Comme par hasard, vous allez voir quand vous allez tenir la personne par les malléoles, entre la tenon et la mortaise de la malléole interne et externe, vous allez poser vos doigts, deux travers de doigts sous la malléole externe, la même chose à l'intérieur, deux travers de doigts, bon, il faut chercher, après il y a un petit creux, vous passez ça là, vous tenez comme ça, et vous ne faites rien. Si vous êtes masseur, bien sûr, vous pouvez masser, si vous avez l'habitude de sentir le LCR, ben, vous le faites, mais vous pouvez très bien rester les doigts comme ça. Ensuite, vous avez deux autres doigts là, de la main droite ou de la main gauche, peu importe. Et là, il va me falloir une hanche. Donc, cette main, je la garde là, d'accord? Peu importe si c'est la gauche ou la droite. Et ensuite, sur une hanche, donc je vais vous montrer ma hanche, vous avez ici le haut de la crête iliaque,
Et vous avez entre les deux, sur la même verticale du trochanter ou trochanter ? Trochanter. Trochanter. Oui. Vous avez entre les deux, ici, à peu près, hein, c'est pas millimétrique. Et là, vous allez simplement, entre le pouce et l'index, mettre votre main comme ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise la main comme ça ? Quand on aura des points, c'est différent. Vous avez entre le pouce et l'index, ce que les Chinois appellent la bouche du tigre. Ah ouais. C'est la zone la plus énergétique du corps. Vous avez ici un point d'acupuncture qui est le 4GI. Quand vous ouvrez la bouche du tigre, vous bénéficiez entre le pouce et l'index, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pince, de l'énergie vitale la plus forte. Donc, j'ai donc une main, un pied, où je suis... Deux travers de doigts sous la malléole, mon doigt tombe dessus. Pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous ne le verrez pas à l'écran, j'ai l'autre main, comme je viens de vous la montrer, hein, c'est-à-dire je vais enserrer entre le pouce et l'index, c'est-à-dire la bouche du tigre, je vais insérer la porte des hanches. Et là, je vais déverrouiller les ailes du sacrum qui vont permettre donc de déverrouiller les vraies ailes qui n'ont rien à faire ici, qui sont au niveau du dos. Là, bien sûr, quand vous faites ça, vous allez non seulement rééquilibrer toutes les chaînes musculaires, tous les méridiens d'acupuncture, mais aussi toute l'ostéopathie qui peut être déficiente à ce niveau. Hein? Ça ne nécessite pas un temps supérieur à 2-3 minutes pour faire après les autres étages. Le premier étage, vous le faites à gauche et à droite, ou inversement, peu importe. Ensuite, on va se retrouver où après la porte béante? On va se retrouver sur le sacrum. Merci. Le sacrum os triangulaire pointe en bas, hein, qui... Comme vous le vivez, quand on active donc le flux vibral principal qui correspond à Métatron, qui est situé, qu'on appelle la colonne du milieu, entre nos pieds, Yézod, et qui va passer devant et derrière, c'est le même, et qui va passer au centre, et qui va nous mener au Vajra, c'est-à-dire à la fontaine de cristal. Là, on va déployer, parce que le travail qu'on va faire va être latéral. Ce travail n'est plus sur l'axe central, sur le flux vibral central, mais il va déployer la conscience métatronique que certains commencent à vivre en manifestation et en incarnation. Bien évidemment, vous doutez bien que ce travail-là va être résolutoire sur tous les plans, même éphémères, de façon constante, hein, et de façon beaucoup plus rapide que ce qui peut être fait avec n'importe quoi d'autre. Donc, première étape, je répète, on est sur l'étage inférieur, c'est-à-dire les jambes, les piliers, là où se construit le temple, parce que quand il y a les piliers du temple, après vous atterrissez où ? Sur le périnée, périnaos, autour du temple, là où se trouve ce que les Chinois appellent le zongzin, c'est-à-dire le muscle des ancêtres. Le périnée, donc c'est là où se construit le temple, c'est le fondement, c'est les fondations. Mais les fondations ici de cette merde. Pas les fondations, il n'y en a pas besoin, quand on est dans ce qu'on est, réellement au-delà de la forme. Hein. Donc, premier travail, les deux piliers sont transcendés par la lumière métatronique, que nous on déploie en latéral pour prendre tout le champ de la conscience. Et quand je dis tout le champ de la conscience, c'est aussi tous les champs de l'éphémère, toutes les auras. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans certains témoignages qu'on a depuis quelques jours ou dans certains vécus, où le déploiement se fait en revêtant non pas le corps d'éternité seulement, mais le manteau blanc. Le manteau blanc du paradis blanc, bien sûr, c'est le moment où le Christ dit qu'il vient laver nos robes dans le sang de l'agneau. C'est le moment où on récupère le manteau de Marie. Et d'ailleurs, vous verrez que les clavicules sont extrêmement importantes. Parce qu'à chaque fois, on a des clés. Ces clés, maintenant, elles sont accessibles par nos mains, par la pensée, par le tarot, par ce que vous voulez. Hein? Et dès que vous faites ça sur quelqu'un, bien évidemment, c'est fait sur l'humanité entière. Parce que nous avons tous le même modèle osseux, quelle que soit la race. Il n'y a pas de différence au niveau des os. Il y a des différences au niveau des organes. Par exemple, chez les musulmans, ce qu'on appelle l'ampoule rectale n'existe pas. Hein? Et vous avez des différences qui sont liées à l'ADN, bien évidemment. Vous savez très bien que, par exemple, chez le peuple hébraïque, il y a un morceau d'ADN qui, en plus, il n'est pas là par hasard. Hein? Et tout ça, ce sont que des engrammes qui ont été mis au fur et à mesure par les archétypes directement dans la matière. Donc c'est ça quand on va se libérer. Même si on est libéré, qu'on vit l'absolu, qu'on vit la conscience nue et l'amour nu, il faut finaliser le travail, cette fois-ci à l'échelon macroscopique et microscopique, comme galactique. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Même les peuples qui sont situés les plus hauts, tant que ça n'est pas fait, ne peuvent pas apparaître. C'est comme ça qu'on va les faire apparaître,
parce qu'il n'y a plus d'imaginal. Quand il n'y aura plus d'imaginal, c'est-à-dire ce qui imagine al mais qui n'est pas al, c'est-à-dire qui n'est pas le feu authentique, même si on veut le feu igné ici, là, tout va être brûlé. Tout ce qui est ce qu'on appelle les voiles de l'illusion, pas seulement dans notre monde, mais ce voile de l'illusion, vous vous doutez bien que même si ce n'est pas une anomalie, il fait partie de la multiplication des dimensions, puisque c'est un jeu de miroir, avec à chaque fois des densités et des environnements vibratoires, moléculaires, si vous voulez, ou atomiques, qui sont différents. Alors, nous avons fait notre premier étage. Le deuxième étage, il va être où ? Il va prendre le sacrum, os triangulaire, pointe en bas, pour amener ça au niveau des clés du ciel. Les clés du ciel, vous les trouvez où ? Vous les trouvez bien sûr dans le lieu de passage qui est la gorge, c'est les différents retournements qu'on a vécu. Vous les retrouvez avec les bénédictions de l'archange Gabriel sur les glandes alta-major qui sont liées à l'angle des mâchoires, ça j'y reviendrai après. Mais l'angle des mâchoires et l'équilibre de la mâchoire, vous le savez tous, il est lié à l'équilibre de quoi ? Ce qui soutient le monde, c'est-à-dire Atlas Axis, C1, C2. D'accord ? On revient à l'étage moyen. L'étage moyen, cette fois-ci, on va le déployer. Ce n'est plus le flux vibral central métatonique qui passe du sacrum au cœur. On va le déployer en latéral. Les clés du ciel, elles sont aux extrémités internes des clavicules et pas à l'extrémité interne. Extrémité interne, vous avez quoi ? Vous avez ici deux points d'acupuncture sur la partie externe de la clavicule. Un qui est juste sous la clavicule externe avant l'articulation de l'épaule et un qui est deux travers de doigts en dessous. Ces points, comme par hasard, s'appellent en médecine chinoise extrême blancheur. C'est-à-dire, c'est la blancheur où il n'y a plus de reflet. C'est ce qui permet d'accéder à l'absolu totalement, non plus individuellement ou en conscience nue ou en amour nu, mais sur la conscience globale de l'humanité. Comment vous allez faire ça ? Là, vous avez besoin que d'un doigt, l'index, celui qui montre la voie, le lieu de retournement. Bon, c'est très symbolique, mais c'est très concret. Vous savez très bien qu'on vous dit, par exemple, quand un ange naît, il vient faire chute, pour pas que vous parliez. Ce n'est pas un ange, c'est un archonte, un archétype d'archonte, il vient vous fermer la bouche pour ne pas que vous ayez le verbe. Hein? Et un ange passe à la naissance, il fait chute, le sillon naso-génien apparaît et l'enfant est scellé. Il ne peut rien dire de la vérité. Même s'il y a accès, il ne peut pas être entendu ni reconnu. Le verbe commence à s'activer maintenant, donc on va pouvoir utiliser le verbe puisqu'on va ouvrir les portes qui nous y conduisent par les portes du ciel. Donc, extrémité externe de la clavicule, vous avez d'autres structures extrêmement importantes qui sont toujours au niveau de l'épaule. On verra tout à l'heure que c'est là que s'accroche, si j'ose dire, le manteau de Marie ou le manteau de Michael, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est aussi derrière l'épaule, sur un point d'acupuncture qui est, que je vais montrer parce qu'il est important, parce qu'on peut par exemple utiliser aussi la pince de l'index, la bouche du tigre, pour venir déverrouiller les clavicules de la même façon. Vous avez ici un index et un pouce. Hop. Alors Michel, il va voir son prof tout nu. Vous avez la pouce et l'index. Vous avez ici à l'avant le point d'acupuncture, un point du méridien poumon, Yun An Men, la porte. L'extrême blancheur et la porte du ciel aussi. C'est aussi un point de porte du ciel. Et quand vous allez derrière, votre main va tomber directement, le pouce, ou l'inverse, hein, vous pouvez mettre le pouce, sur le point qui, lui, est à l'extrémité externe, qu'on appelle le dissigé. Pour le repérer, c'est très simple. Vous avez le pli de flexion axillaire postérieure, vous remontez en ligne droite, jusqu'à que vous rencontriez l'acromion. C'est bien l'acromion qui est là, monsieur, qui vient ici. Et devant, on a la tête de la clavicule, et derrière, vous avez la partie, vous avez l'homoplate, ça veut dire ce que ça veut dire, l'homme plat, l'homme qui ne voit pas les dimensions. C'est là, c'est l'homoplate qui ont remplacé les ailes. On vous a mis une armure pour empêcher de vivre les ailes. Donc là, par exemple, si vous avez un problème mental, ça, c'est pas dans le, ce que je vais vous dire, mais je vous le dis quand même, c'est très simple, vous mettez vos deux doigts comme ça, il n'y a plus de mental, hein. Vous mettez toute l'énergie de la bouche du tigre et vos doigts, ils tombent systématiquement sur l'épaule. Maintenant, dans le déploiement des flux vibrales métatroniques en incarnation, vous allez utiliser ce point avec l'index. Et les autres points que vous allez utiliser, c'est quoi ? Vous avez le sacrum, vous avez les portes latérales, vous
vous avez ce qu'on appelle ici le 53 vessies sur la sacro-iliaque à peu près au milieu, 53 vessies qui s'appelle le Baoshi, c'est-à-dire la chambre du sang, qui est le lieu de l'équilibre affectif, et en particulier chez la femme, qui commande les règles et bien sûr la fécondité. Hein? Alors il y a un triangle, bien sûr, qui est là entre ces deux points. Vous avez la fossette de Michaelis sur le sacrum, vous avez les quatre portes, vous avez la porte du mandat au niveau de L2, on n'a pas besoin d'y toucher. Le passage, c'est sur ce point que se fait le passage du ciel manifesté au ciel antérieur, c'est-à-dire au ciel non manifesté qui était occulté par les archétypes, hein, qui va donc maintenant ramener la conscience et l'information entre le point, là je suis à droite, peu importe, vous prenez l'index et là vous allez mettre comme ça. Et quand vous mettez en contact l'extrémité externe de la clavicule ainsi que la sacro-iliaque du même côté, vous déverrouillez les portes du ciel. Et tu le sens, ça passe tout de suite. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est immédiat. Vous faites pareil de l'autre côté. Hein. Vous repérez le point qui est juste sous l'extrémité de la clavicule, juste en dessous. Là. Vous mettez un index et l'autre pareil. La sacro-iliaque, c'est pas millimétrique. Hein. Mais là, vous êtes obligé d'être avec les index. Ça ne sert à rien de mettre à plat. Tout à l'heure, on était sur la bouche du tigre. Là, on montre la voie. C'est différent. Là, on emmène la conscience informationnelle, la conscience nous, hein, on l'emmène directement à l'étage, presque à l'étage céphalique. Il nous reste après, bien sûr, à franchir le troisième étage. Ce troisième étage, il est lié à deux choses. Vous le savez, il y a la grande couronne, la petite couronne. Bon, les ostéopathes, je ne vous apprends rien. Quand ils testent le liquide céphalo-rachidien à circulation, on se met là, hein, et on sent au niveau de la fontanelle postérieure qui est fermée, la circulation du liquide céphalo-rachidien. Hein. Donc là, on a conduit l'énergie sur les clavicules, la clé du ciel, et on peut monter au ciel. Pas au faux ciel, mais au vrai ciel. Là, comment ça va se faire? Vous avez vos index, vous avez la clavicule ici, et là, vous allez remonter ici sur une structure qui est à l'arrière de l'angle de la mâchoire, qui est une glande qui est sur la carotide, qui s'appelle la glande alta-major, comme par hasard, qui est une glande dont on ne sait pas à quoi ça sert aujourd'hui encore. Hein? Donc, vous allez placer vos doigts ici, un autre doigt là, qui est index, et vous faites monter l'information à la tête. Il n'y a même pas besoin de l'aller toucher là-haut. Vous connectez à travers la glande alta-major qui se trouve juste derrière l'angle de la mâchoire. Hein, vous n'appuyez pas fort parce qu'il y a la carotide, si vous êtes masseur. Mais si vous faites ça, vous allez faire monter. Donc là, il y a trois séquences. Une qui utilise la bouche du tigre, parce que là, on est sur un niveau informationnel très puissant. Et après, c'est l'index qui montre la voie, qui va venir vous conduire à travers le sacrum messin. Et ensuite, vous allez monter sur la glande alta-major. Et c'est tout. Donc, la syntonie, par exemple, c'est l'axe médian. Mais si vous voulez faire rentrer en manifestation, merci, si vous voulez faire rentrer en manifestation, en incarnation cela, bah, vous n'avez plus qu'à faire ça. Ça se fait en 10 minutes, hein, il n'y a pas besoin de passer des heures. Et vous allez pouvoir constater les effets immédiats. Voilà, donc nous ici, ben, vous avez pratique, ça va être très simple, vous allez voir ce que ça fait. Hein. Voilà, donc on a tenu 35 minutes, je ne vais pas être plus long, puisqu'il y aura, je pense, d'autres informations, mais à la limite, encore une fois, comme ça a été dit hier et avant-hier, l'important, c'est de le vivre, vous comprendrez après. Moi, j'ai eu la chance de connaître cette connaissance et de pouvoir la relier maintenant, donc c'est affreusement simple. Mais là, vous n'avez pas besoin de savoir à la limite que celui-là, bon, c'est très joli à dire, c'est, il s'appelle extrême blancheur, bon, ça rassure quelque part. Mais l'important, ce n'est pas la compréhension. Hein. L'important, c'est de le vivre, bien sûr. Et quand vous vivez ça en le faisant ou en le recevant, bah, vous allez voir, on en reparle tout à l'heure peut-être. Hein.